Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un cours de pilates avec le gros ballon. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont un, ou peut-être qu'il est dans le grenier et qu'il va falloir le gonfler, le dépoussiérer. Et au niveau de la taille, au niveau du gonflage, il faut que les genoux soient légèrement plus bas que le bassin. Et puis sinon, on commence, on met en place les principes du pilates. Donc les ischions plantés dans le ballon, comme si on était perché dessus. On met en place le centre en engageant le périnée. Je fais un effort de continence, j'imagine mes ischions qui viennent pincer le ballon, le coccyx et le pubis qui se rapprochent l'un de l'autre. Le périnée est engagé, le ventre se rentre. On a ce socle solide sur lequel on va pouvoir s'appuyer, qui va nous aider dans toutes les postures d'équilibre. Le centre est en place, on s'occupe de notre respiration, on vide ses poumons, on souffle. Et en inspirant, on cherche à ouvrir sa cage thoracique dans toutes les dimensions, devant, côté, derrière. En soufflant, je réengage le centre, je place correctement mon bassin, j'allonge ma colonne. Et en inspirant, j'ouvre ma cage thoracique et je me grandis. Comme si le sommet du crâne allait vers le plafond, je crée une opposition entre le coccyx qui se plante dans le ballon et le sommet du crâne qui va vers le plafond. On place nos épaules, vous les montez, les rejetez vers l'arrière et vous les laissez glisser, couler le long des coutures du t-shirt. Laissez une vraie détente s'installer dans les épaules et dans les cervicales. On va placer les mains sur les genoux, sans toujours engager. On va tourner, faire tourner le ballon. On fait tourner le bassin, côté, rétroversion, côté, derrière, côté, devant, côté. Ne vous tassez pas quand vous venez en rétroversion, essayez toujours d'allonger la colonne. Et on change de sens. Côté, de côté, derrière, j'allonge la colonne, que je sois en rétroversion ou en antéversion. Côté, devant, côté. Ok, et puis on va juste faire rétroversion, antéversion. Je vais me mettre profil pour que vous voyez. On va faire rétroversion, ici le ballon roule vers mes talons, je viens en enrouler lombaire, souffle et inspire, on vient en antéversion sur l'avant des ischions, rétroversion, antéversion, inspire, on rajoute les bras, rétroversion, je pousse un mur, je crée une opposition, les mains vont vers l'avant, le ventre va vers l'arrière, antéversion, j'allonge les bras, ici tendu jusqu'au bout des doigts, des épaules jusqu'au bout des doigts. Inspire, je souffle, je pousse un mur et je tire mon ventre loin de mes mains. J'inspire, j'allonge ma colonne, j'allonge mes bras, j'allonge ma nuque, j'ouvre ma poitrine et je souffle. J'arrondis bien la colonne, je lui donne de la longueur, j'engage mon sang pour creuser le ventre et j'inspire. J'allonge la colonne du coccyx au sommet du crâne, j'allonge mes bras, j'ouvre la poitrine, je regarde un petit peu plus haut et rétroversion. En antéversion. Rétroversion. En antéversion. Et on revient en position intermédiaire. Je me remets face à vous, on va faire des inclinaisons. On replace les deux ischions bien plantés dans le ballon, la ceinture du pantalon bien parallèle au sol, les deux hanches à la même hauteur. On va inspirer, monter le bras droit pour vous. On va faire une inclinaison ici, je souffle, mes doigts, les doigts de ma main gauche vont descendre vers le ballon une fois. Inspire, reste. Les doigts marchent sur le ballon deux fois. Inspire, reste. Et trois fois. J'inspire ici. En cherchant l'ouverture thoracique, je souffle, je reviens. Viens avec mes abdos. Je fais ça de l'autre côté. Inspire, donne de la longueur à ton côté gauche. Souffle, fais marcher les doigts sur le ballon. Inspire, allonge tout le côté gauche, de la fesse jusqu'au bout des doigts. Fais marcher les doigts sur le ballon, souffle. Inspire,
Troisième fois. Creuse ici, le côté droit pour vous. Inspire, inspiration pour ouvrir les muscles intercostaux. Et souffle, reviens. Encore une fois de chaque côté. Je me replace, j'allonge ma colonne, j'engage mon centre, j'inspire. Première inclinaison, je souffle. J'inspire, j'allonge, je donne de la longueur. Je souffle. J'inspire. Et les doigts qui marchent sur le ballon, je souffle. J'inspire, je ressens l'ouverture sur le côté ici. Je souffle, je reviens. Replacez bien vos épaules, ouvrez bien le buste, inspirez, réengagez le centre, soufflez, inspirez, faites descendre les doigts sur le ballon, sur votre droite, inspire, et souffle, inspire, et souffle, on passe ses bras par devant, puis pour les ouvrir, comme si on encerclait, enlaçait, un gros tronc d'arbre. Et on va faire des rotations. On va aller sur le côté et en trois fois. Je souffle. J'inspire, je reviens un peu. Je souffle. J'inspire, je reviens un peu. Je souffle. Et j'inspire, je reviens. La torsion part du bassin et monte vers la tête. Je souffle. Je tourne. Inspire. Une partie de la cage thoracique qui recule, l'autre qui avance. Souffle. Et inspire. Faites bien glisser les épaules loin des oreilles. Engage le centre, allonge la colonne. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On se redresse bien. Inspire. Allez, encore. Souffle. Inspire. Souffle. C'est la cage thoracique qui tourne comme si elle tournait autour de la colonne vertébrale. Inspire. Les ischions se plantent dans le ballon. Souffle. Inspire, souffle, les rotules sont projetées vers l'avant, les genoux ne bougent pas, bien stabilisés avec le bassin. Souffle, inspire, souffle, inspire, toujours les épaules loin des oreilles, souffle, inspire, et reviens. Ok, on travaille un petit peu l'équilibre, on place ses bras en premier, inspire, on va allonger la jambe. Ici, la cuisse reste posée sur le ballon. Souffle. Inspire, fléchis et redescends les bras. Engage le centre, allonge la colonne, place tes épaules. Inspire. Souffle, allonge la jambe. Ne porte pas ta cuisse. Inspire et redescends. On se place correctement. On inspire, on allonge la colonne, les bras. On souffle, on ne fait qu'allonger la jambe. Le quadriceps se serre. Inspire et souffle. Inspire, j'allonge la jambe, je serre mon quadriceps, le pied va vers le sol. Inspire et redescend. On va rester un petit peu en statique. On inspire, on allonge la jambe, la cuisse est posée sur le ballon, les ischions sont plantés dans le ballon et on reste. Allez, 3 fois 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prenez de l'espace. 7, 8, 9, 10, les bras courent autour d'un gros tronc d'arbre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les derniers 10, vous devez réengager le centre, allonger la colonne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fléchissez la jambe, redescendez les bras. Ok, c'est vraiment l'équilibre qui provient de votre centre, le plancher pelvien, ce socle solide engagé avec les deux appuis ischions dans le ballon. Inspire, montre les bras. Souffle, allonge la jambe. Et donc on reste en statique, ischions plantés dans le ballon. Reste. 1, 2, 3, grandissez-vous. 4, 5, 6, le dos est large. 7, 8, 9, 10. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les derniers 10, 1, 2, 3, 4, on se redresse, 5, 6, les épaules glissent loin des oreilles, 7, 8, 9 et 10. D'abord la jambe, puis les bras. On va rajouter la torsion, on combine les deux mouvements,
la rotation qu'on a faite et l'allongement de la jambe. Donc, cette fois-ci, bras plus jambe, j'inspire. Je souffle, je tourne du côté de la jambe qui est tendue. J'inspire, je reviens de face. Je souffle, je descends bras plus jambe. Et on alterne. Inspire, allonge la jambe, la cuisse est posée sur le ballon. Souffle, tourne du côté de la jambe tendue. Inspire, reviens de face. On descend bras plus jambe. Allonge la colonne, engage le centre. Inspire. Plante tes ischions dans le ballon, souffle. Inspire, reviens. Et bras plus jambes qui descendent. Encore, j'inspire. Imaginez que vous avez les bras très longs, la jambe très longue. Soufflez, plantez les ischions dans le ballon. Inspirez, revenez. Et soufflez. Une dernière fois de chaque côté. Je mets de l'espace entre mes vertèbres. J'inspire. Je souffle. J'inspire, je reviens de face. Et je souffle. Dernier côté. Inspire. Faites glisser les épaules loin des oreilles. Réengage le centre. Souffle. Pensez que la rotation part du bassin. Se propage le long de la colonne jusqu'aux épaules et la tête. Inspire. Et redescend. Ok. Je vais me tourner pour que vous me voyez de profil. On va tenir une posture pour les muscles profonds à l'intérieur, le bas du ventre. Vous allez faire avancer vos pieds jusqu'à déposer les lombaires dans le ballon. Ici. Les talons à peu près sous les genoux. Je vais bien engager mon centre, venir appuyer mes lombaires dans le ballon. Je vais imaginer pousser un mur loin du entre mes deux omoplates. Le milieu entre mes deux omoplates s'éloigne de mes mains. Je tire mon ventre vers le ballon. J'essaye d'allonger ma colonne, coccyx, sommet du crâne. Faire glisser mes omoplates, pointe omoplate vers le ballon. Et je reste. 1, 2, 3. Mettez en place une dynamique interne. Je réengage le centre à chaque souffle. 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'allonge la colonne. Je place ma nuque. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les derniers 10, imaginez faire l'enroulé lombaire. Mes côtes glissent vers le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, rentrez le ventre. 6, 7, 8, 9 et 10. On va mettre les doigts derrière la tête, laisser s'ouvrir les épaules. Bien engager le centre. Faire un enroulé ici, un curl. Et je fais une rotation, mon bras du côté du genou opposé. Souffle, le bassin reste de face, c'est une torsion du haut du corps. Souffle, inspire. J'engage mon centre, j'allonge la colonne comme si je m'enroulais autour d'un gros ballon. Je souffle, j'inspire. Je dois chercher à stabiliser mon bassin contre mon ballon. Je m'enroule ici, je tourne, je souffle, j'allonge. L'épaule va vers le genou opposé, mon bassin ne bouge pas. Inspire. J'imagine vraiment venir coller le bas de mon dos dans mon ballon. Les deux épinilières toujours orientées vers l'avant. Elles ne tournent pas. Inspire, j'engage mon centre, je souffle, je tourne. Inspire. Que le haut du corps qui tourne. Le bassin ne tourne pas. Et une dernière fois. Souffle. Et on va relâcher. Accompagner la tête et les épaules vers le ballon. Déposer la tête sur le ballon. Relâcher les bras. Et allonger plus ou moins les jambes. Garde le centre engagé pour préserver ses lombaires. On va ramener les bras, la tête et venir faire une petite pause assis sur le ballon. On va étirer derrière deux cuisses. Ici,
J'allonge mes jambes. Dos droit, je m'incline. J'allonge la colonne. Coccyx planté dans le ballon, sommet du crâne bien loin. Et je relâche. On se redresse. On va faire marcher ses pieds vers l'avant jusqu'à ce que les épaules et la tête se posent sur le ballon. Je marche. Hein, faut pas que je sorte de la caméra. Hop. Mes épaules sur le ballon, ma tête sur le ballon. Mon bassin qui monte, je serre mes pieds, mes cuisses, mes genoux. Les pieds écartés, largeur d'un point, pas plus. Mes bras sur le côté, bras en croix, un petit peu plus bas que les épaules, pas les bras aux oreilles ici, un petit peu plus bas que les épaules. Je serre bien mes fessiers pour monter le bassin, j'allonge ma colonne. Et je vais décoller un talon pour bien sentir mon équilibre sur le pied qui reste bien à plat. Et je vais en soufflant essayer d'allonger ma jambe. Je souffle, je fléchis. Je lève l'autre talon. Je trouve appui sur le pied qui reste bien à plat. J'allonge ma jambe. Je pose. Les cuisses, les genoux sont serrés, pas les pieds. Je décolle le talon. Je souffle. Je fléchis. Donc, décoller le talon dans un premier temps. Trouver l'appui sur le pied à plat dans un deuxième temps. Troisième temps, j'allonge ma jambe. J'essaie vraiment de rester autant que possible, autant que vous pouvez. Et vous reposez. Le bassin reste haut. Je lève mon talon. Je trouve mon appui sur le pied bien à plat, qui reste à plat. J'allonge ma jambe. Je reste autant que je peux. Je pose. Mes cuisses sont serrées, mes genoux sont serrés, les pieds un tout petit peu écartés. Je décolle mon talon. J'allonge mon jambe. Et je pose. Je conserve mon bassin haut, la tête est bien posée, repose sur le ballon. Je décolle. Là, on essaie de rester un petit peu plus. Allez, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose. Serre les cuisses, décolle le talon, appuie le pied à plat. Et reste. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. On tire les bras doigts vers les talons. On décolle la tête, on regarde devant. On fait marcher les pieds vers le ballon. Et même étirement que tout à l'heure. Je fais rouler un petit peu le ballon vers l'avant. J'allonge mes jambes, dos droit. J'incline et je relâche. Faites rouler le ballon vers les talons, déroulez le dos. Vous allez tourner la poitrine vers moi, poser les mains sur le ballon et venir poser les genoux au sol. On va retravailler les inclinaisons. Vous pourrez le faire soit avec la jambe tendue, mais si ça vous donne des crampes, vous le ferez les deux jambes fléchies. C'est vous qui aviserez. Bon, on choisit. Soit jambe tendue, soit jambe fléchie, là. Et puis, le ballon, on va le faire rouler, poser sur la tête, et on allonge les bras. Je serre bien mes deux fessiers, le bassin reste de face. J'engage le sang, je redresse mon dos, je vais m'incliner du côté opposé à ma jambe tendue. J'inspire quand je vais sur le côté, j'engage mon sang, je souffle, j'amène mon ballon vers le ciel. Allez, encore, j'inspire. Mes épaules restent loin de mes oreilles. J'engage mon centre. Je souffle. Je travaille avec mes abdos. Allez, encore. J'inspire. Je serre mes deux fessiers. J'engage mon centre. Je souffle. C'est pas un mouvement de bras. C'est pas le ballon qui guide le mouvement. C'est votre buste qui s'incline. Le ballon suit. J'inspire. Je souffle. Ne laissez pas reculer le bassin. Poussez-le légèrement vers l'avant. Dernière fois. J'inspire.
Je reviens avec mes abdos et je souffle. Le ballon, on va le poser du côté de la jambe fléchie ici. Et on va aller se poser dessus sur la tranche. Je pose d'abord le bassin. Je viens déposer mon aisselle. J'allonge l'autre jambe jusqu'à ce que ma main trouve le sol. Oups. Là, vous pouvez mettre un pied devant l'autre pour plus d'équilibre ou pas. Hop. On trouve l'équilibre, la main sur le ballon. Je tire le coccyx loin du sommet du crâne, j'engage mon centre. Vous pouvez rester dans cette position-là. Ou sinon, on va faire l'étoile. On enlève d'abord l'appui de la main. Je pousse une main dans le sol, l'autre main vers le plafond. Et la jambe côté ciel, je vais la monter. Et 3 fois 10 secondes, je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on repousse. Très bien. Dépose ses genoux. On fait un petit étirement, fesses sur les talons. Et on va aller faire ça de l'autre côté. On fait rouler le ballon de l'autre côté. Soit je fais mes inclinaisons de jambes fléchies, soit j'allonge une jambe. Le bassin reste de face. Je fais rouler mon ballon jusqu'à la tête, je place mes épaules, j'allonge mes bras, j'engage mon centre, j'allonge ma colonne, j'inspire, c'est le buste qui s'incline, mes deux fesses sont serrées, je souffle, le ballon reste au-dessus de la tête, j'inspire, je descends, j'essaye d'aller aussi bas que possible, j'engage mon centre, je souffle et je reviens. Ne laissez pas monter vos épaules dans vos oreilles, inspirez. Restez bien redressé, soufflez. Allez, deux fois encore. Colonne bien longue, bras bien allongés, des épaules jusqu'au bout des doigts. Inspire. Et souffle. Allez, une troisième et dernière fois. Inspire. Une cinquième fois. Et souffle. Allez, on fait rouler le ballon. On le place du côté de la jambe qui est fléchie. Se coucher dessus sur la tranche. D'abord le bassin, l'aisselle, la main, j'allonge mes jambes. La main ici qui m'aide à trouver l'équilibre. J'engage mon centre, c'est lui aussi, c'est de là que provient l'équilibre. Hein. Les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. J'allonge mon bras, j'essaye de créer une opposition entre les doigts qui vont vers le plafond et les doigts qui vont dans le sol. Je monte ma jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Réengagez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les derniers 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on fléchit ses jambes, on se tourne du côté de son ballon, et on va poser le pubis, le ventre, les avant-bras sur le ballon. On va chercher l'extension du milieu et du haut du dos. Je cherche à bien faire mon enroulé lombaire en venant appuyer le pubis sur le ballon. Mon ventre se rentre comme s'il allait transpercer mon dos. C'est un mouvement qui est facile, mais qui va vous permettre de bien redresser le milieu et, le haut du dos. Vous allez inspirer. Ici, on va le regarder devant. Soufflez en venant épouser la forme du ballon. Allez, encore. Le pubis est sur le ballon. Ma colonne est longue. J'inspire. C'est le crâne qui s'incline, les vertèbres cervicales. J'ouvre mes épaules. Et j'allonge. Le sommet du crâne va loin. Et je souffle. Donc, le milieu du haut et le haut du dos bougent, mais ici, au niveau des lombaires, ça ne bouge pas. J'inspire, j'allonge. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Je regarde devant, la poitrine vers le haut et l'avant. Et je souffle et je redescends.
Allez, cherchez à bien redresser ce dos sans bouger les lombaires. Allongez la colonne, ouvrez le buste. Bien jusqu'au bout du mouvement. Et souffle. Encore, j'engage mon centre. Le périnée remonte, le ventre se rentre, vient transpercer le dos. J'inspire. Je crée une opposition sommet du crâne vers le plafond, coccyx vers le sol. Et je redescends. Les bras peuvent prendre appui sur le ballon pour m'aider à allonger la colonne. J'inspire. Les épaules sont désenroulées. Mon buste s'ouvre. Et je redescends. Ok. On va allonger les jambes. Les mains viennent au sol. On va mettre ses jambes parallèles au sol et serrer ses cuisses. On serre ses cuisses. On fait une petite queue de sirène, une queue de poisson avec ses pieds en les ouvrant. Pour l'instant, on cherche à appuyer le pubis dans le sol et à créer une ligne parallèle au sol, toute droite. J'aligne les épaules, le bassin, les pieds. Je ressens les muscles qui travaillent, les grands fessiers, les ischio-jambiers, les rotateurs externes. Et puis, je vais rajouter un petit mouvement, j'inspire et je vais faire trois tapes de talons. 1, 2, 3. J'inspire, j'écarte, j'appuie le pubis dans le sol. 3 tapes de talons. 1, 2, 3. Et j'inspire. N'hésitez pas à écarter suffisamment les jambes. 1, 2, 3. J'inspire, j'allonge les jambes de la colonne. Et 1, 2, 3. J'inspire, j'appuie le pubis dans le ballon. Et 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Allez, encore deux fois. Inspire. 1, 2, 3, une dernière fois. Inspire. Et 1, 2, 3. On écarte un petit peu ses pieds. Les orteils effleurent le sol. On fait juste extension de hanche ici. Pieds écartés. Inspire, descend. Et souffle. Ne creusez pas le bas du dos. Tirez bien le coccyx vers les talons et le sommet du crâne loin de vos orteils. Laissez le ventre, comme tout à l'heure, venir transpercer le dos. Je souffle quand mes talons montent vers le ciel. J'inspire quand mes orteils descendent vers le sol. Je souffle. Allez, encore deux fois. Pubis bien appuyé dans le ballon pour sentir les grands fessiers et les ischios. Et on va combiner ce mouvement avec resserre les jambes ici. Inspire, monte les talons au plafond. Serre, souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. On serre énergiquement les jambes. Inspire, souffle. Inspire en montant. Souffle en serrant. Inspire en écartant et souffle. Je stabilise mon bassin en activant mes muscles profonds de l'intérieur. Périnée plus transverse. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire. Serrez volontairement les grands fessiers, les ischios. Souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Allez, encore deux fois. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Une dernière fois. Inspire, souffle. Inspire. Et on fait rouler son ballon. On va venir s'asseoir à côté de son ballon, pied devant. On serre les cuisses, les genoux, les pieds. Les pieds sont à plat. On va mettre le ballon au sommet de ses genoux. Bien redresser son dos et venir s'incliner. Je recule les épaules dos droit. Pour l'instant, mon ballon est posé sur mes genoux et mes bras sont allongés. Presse un petit peu le ballon. Vous pouvez rester comme ça. Un petit peu plus difficile, je décolle le ballon. Un petit peu plus difficile, je décolle les pieds. Un petit peu plus difficile, je tends les jambes. C'est vous qui choisissez. Soit le ballon posé, soit le ballon levé, les jambes levées, ou les jambes allongées. Et on reste 10 secondes. Serre les jambes, presse le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et comme on aime bien ça, on fait encore 10 secondes, les épaules loin des oreilles. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on repose. Ok, on garde le ballon dans les mains. On va faire une bascule du bassin. Ici, je souffle. J'inspire, je reste. Le bassin ne bouge pas, c'est la poitrine qui tourne, souffle. Inspire, reviens de face. Et de l'autre côté. Plante ton bassin dans le sol, souffle. Inspire, reviens de face. Et on s'enroule par-dessus les genoux. Et on se redresse. Allez, enroule les lombaires. La bascule du bassin, souffle. Allonge la colonne, inspire. Presse un petit peu le ballon, tourne. Restez stable sur le bassin. Inspire. Et de l'autre côté, souffle. Inspire. On ramène les épaules vers les genoux. On tire le ventre vers l'arrière. Et on inspire. Encore deux fois de manière complète. Je bascule. J'allonge ma colonne, j'inspire. Les épaules loin des oreilles. Je presse le ballon, je souffle. J'inspire, je reviens. Je tire mon ventre à l'intérieur. Hein. Souffle. Inspire, reviens. Et les épaules vers l'avant, le ventre vers l'arrière. Et une dernière fois. J'engage mon centre, je presse le ballon, je souffle. Inspirez, donnez la longueur à la colonne, placez vos épaules correctement, soufflez. Inspirez, revenez. Et dernier côté, soufflez, pressez le ballon. Inspirez, revenez. Et soufflez. Allez, on va aller dérouler son dos au sol. Là, je bascule, je prends mon temps. Parfait. On fait rouler le ballon sous ses pieds. On allonge les jambes. Elles sont serrées. Les deux ensemble n'en font qu'une. J'allonge ma colonne. Je place le neutre du bassin, l'engagement du centre, l'ouverture des épaules. On va basculer le bassin, appuyer les talons dans le ballon. Et là, on va rester là-haut. On va faire des petite pulsation en serrant bien les grands fessiers et derrière deux cuisses, comme ça. 1, 2, 3. Je tire le coccyx vers le ballon comme si je voulais aller le percer. J'allonge ma colonne. J'appuie mes talons dans le ballon, mais je ne cambre pas. Allez, encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et je déroule. Okay. On ramène le ballon. On va le placer entre ses jambes. Ici. Bras en croix. Le haut du dos ne doit pas bouger. Le haut du dos est large. Bien à plat dans le sol. Je vais inspirer. J'amène les genoux d'un côté, la tête de l'autre côté. Inspire. Et souffle, presse le ballon. Et on change de côté, on alterne. J'inspire, les genoux vont d'un côté, la tête va de l'autre côté. Je presse le ballon, je souffle. Et je reviens. Le haut du dos, les épaules restent collées au sol. J'ai une fesse qui décolle. La tête tourne de l'autre côté. Je presse mon ballon. Et je reviens. Ma colonne est longue, mon centre est engagé. Et j'inspire. J'ai cette fesse qui décolle, mais mes épaules qui restent vraiment au sol. Je sens mes adducteurs qui travaillent l'intérieur de cuisse. Encore une fois de chaque côté. J'inspire. Les abdos aussi, hein, les obliques qui travaillent. Utilisez le souffle pour ramener vos genoux. Et souffle. Ok, on pose son ballon, on va avoir fini. On décontracte ses jambes par des ouvertures de hanches ici. On décontracte. On peut rester un petit peu en ouverture là. 1,
Amenez les genoux sur le côté loin l'un de l'autre. Et puis vous pouvez faire encore deux étirements derrière deux cuisses. Ici, une jambe tendue vers le plafond que vous maintiendrez 30 secondes. Hein, vous les ferez ici. Puis talon sur genou, j'ouvre ma hanche, je ramène mon pied. Étirement de la fesse. Et on fait ça de l'autre côté. J'allonge ma jambe. Vous maintiendrez 30 secondes. On fléchit, on pose le pied sur le genou. On ramène. Ouverture de hanche. Et puis pour finir, les jambes sur le ballon. Je berce à droite et à gauche pour soulager le bas de mon dos. Voilà pour cette séance de Pilates gros ballon. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions ou des idées de cours de Pilates ou d'autres choses. Bonne soirée, à bientôt.